4, Club de natation Saint-Jérôme, Philippe Vachon. Dans le corridor numéro 5, lane number 5, Club de natation CSQ, Nicolas Plamondon. Dans le corridor numéro 6, lane number 6, from the Dynamo Swim Club, Scott Patterson. Et dans le corridor numéro 7, lane number 7, du Club de natation piscine du Parc olympique, Hicham Poufkan. We need all members of the Canadian Olympic team that are being selected this week to please report to the warm-up pool at the turn end. Once again, all team members, please report to the warm-up pool area at the turn end. On demanderait à tous les athlètes qui ont été sélectionnés pour faire partie de l'équipe olympique canadienne de bien vouloir se rencontrer du côté du bassin d'échauffement. Présentement dans l'eau, je vous rappelle la finale B du 200 mètres 4 nages chez les messieurs paranageurs. Meilleure performance ce matin, 2 minutes 57.52. Ça a été réalisé par Philippe Vachon dans le corridor numéro 4, qui est d'ailleurs en avance. À ses côtés, Nicolas Plamondon de CSQ a quant à lui réalisé un temps de 3 minutes 04.55 ce matin. Ils approchent de 150 mètres et il restera 50 mètres à compléter. Dans le corridor numéro 4, Philippe Vachon, 2:17.71, 2 minutes 20.35, tout juste derrière Nicolas Plamondon dans le corridor numéro 5. Et en troisième position, 2 minutes 27.74 pour Kyle McMahon dans le corridor numéro 3. Et Philippe Vachon qui terminera visiblement en première position de cette finale B, inscrivant un chrono de 2 minutes 56.97. Alors que Nicolas Plamondon termine en 3 minutes 0.55, lui qui avait réalisé un temps de 3 minutes 04.55 ce matin. Et dans le corridor numéro 3, Kyle McMahon, 3 minutes 14.64. Mesdames et messieurs, 25 mètres à compléter. On encourage nos paranageurs. 200 mètres, 4 nages. Couloir numéro 2, Harley Bolton. Couloir numéro 6, Scott Patterson. Et couloir numéro 7, Hicham Poufkan.